Salut, salut tout le monde, bienvenue. On continue notre exploration de la mini NES sortie fin 2016 avec cette fois-ci un nouveau jeu, toujours par le producteur Miyamoto et Yokoi. En 1990, il sortait Dr. Mario dans la foulée de ce qu'on avait pu connaître en puzzle game avec Tetris et aussi Columns sur Mega Drive. Donc là, Dr. Mario, qui reprend le personnage de Jumpman, alias Mario, qui est aux prises avec deux vilains microbes. Donc voilà, on est en 1990, on peut jouer à deux en opposition, et donc s'envoyer des malus ou des bonus selon qu'on joue bien ou mal. Là, moi, je vais jouer tout seul. Et donc vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez des bactéries et vous avez des gélules. Et il faudra aligner 5 couleurs de la même couleur justement pour dire de pouvoir éliminer. Non, 4 couleurs, excusez-moi. 4 couleurs de la même couleur pour éliminer les microbes parmi ces couleurs. Donc voilà. Le principe est simple, ça peut vous prendre des heures. Comme je suis pas très fort à ce genre de jeu, je vais y aller mollo, on va commencer tout doucement. À mon avis, ça va s'accélérer au fur et à mesure. Et comme vous voyez, les microbes, à chaque fois que vous les mettez à mal, commencent à tirer la figure un petit peu. Les microbes, c'est ce qu'il y a en bas à gauche, dans la loupe. Et quand vous éliminez tous les microbes d'une couleur, en fait, ils disparaissent de la loupe. Donc voilà, et le but étant d'éliminer jusqu'au dernier microbe. Voilà, comme vous voyez, ça a l'air très simple hein, comme ça, mais je peux vous assurer qu'au fur et à mesure ça s'accélère et vous avez envie de pleurer. Donc on va faire une petite partie, je ne vous promets pas de briller, mais bon, on va essayer. Donc voilà, hein, c'est dans la veine de tous les puzzle games qu'on pouvait avoir à une époque. Donc je le rappelle, hein, Tetris qui a été le premier à vraiment se démarquer et qui par la suite a créé un engouement avec sur la Mega Drive. Il y avait vraiment un puzzle game que j'avais adoré, c'était Columns. Je pouvais y rester des heures, notamment la musique était, je trouvais qu'elle était vachement bien. Donc voilà, toujours donc il y a Miyamoto et Yokoi, c'était ceux qui avaient fait Donkey Kong, hein, pour la petite histoire. C'est eux qui ont fait quand même pas mal des grandes heures des jeux de la NES, enfin Nintendo même en général. Donc voilà, vous les reverrez. Bon là on va être petit joueur, on va y aller en doucement. Le but étant de vous montrer le principe. Donc là vous voyez, j'ai un microbe bleu, deux microbes jaunes et un microbe rouge. Le but étant de les éliminer. Donc, je vais poser ça là, ici. Hop, dans l'autre sens, on peut faire tourner hein, la gélule. Hop, voilà. Donc là, j'ai éliminé le rouge. Vous allez voir, il va disparaître de la loupe. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus que deux sortes de, comment dire, de microbes à éliminer. Et évidemment, je me suis trompé d'un. Je voulais le mettre là. Voilà, c'est ça. Alors ici, ça je peux le mettre là. Celui-là, je vais le mettre au-dessus de l'autre. On va essayer de les éliminer assez rapidement. Hop, dans ce sens-là, ça peut passer. Hop. Après, il y a des astuces. Vous pouvez glisser aussi les gélules. Les faire glisser en dessous de l'autre. Regardez, là, je vais le faire. Hop, voilà. Au fur et à mesure, vous allez connaître et savoir comment les utiliser. Donc, hop. La gravité. On élimine. Et on va s'attaquer aux jaunes. Donc là, on va pas s'embêter, on peut les poser. Lui, on va le mettre ailleurs. Hop, on va le mettre comme ça en attendant. Et évidemment, il a décidé de m'embêter, de pas me donner ce que je veux. Mettre dans ce sens là au cas où ouais, c'est un peu embêtant et il va me donner du jaune ou pas. Ok, là faut que je le mette du bon côté. On n'a plus qu'un microbe hein, et il tire un peu la tête et voilà, c'est bon, on a réussi le stage. Donc voilà comment ça fonctionne. On va continuer. Bon, je fais qu'une partie
Elle dure ou elle dure pas, on verra bien. À mon avis, ça va pas durer très longtemps, vous inquiétez pas. Ici, je peux la mettre au-dessus. Et là, je peux peut-être la glisser en dessous, non? Oh non, je vais le mettre là. Ici, ouais. Ok. Ça, par contre, je peux le glisser en dessous. Ouais, voilà, ouais, c'est bon. Celui-là, on va essayer de... Voilà, comme ça. Hop. On va éliminer les jaunes là tout de suite parce que ça sert à rien de les laisser au-dessus du rouge. Alors ici, il y a un rouge et un jaune. On va le mettre plutôt par ici. Comme ça, quand le jaune tombera, il tombera sur le... Ah bah là, on peut peut-être même intercaler et obtenir. Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'est la bonne option. Ici, on le met dans ce sens-là. Oh, le bleu, j'ai pas besoin... Ah, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, j'étais stupide. Ah bah, il me donne du jaune, j'ai pas de... J'ai plus de jaune, bonhomme. Ok, du bleu. Du bleu, il y en a un en bas. On va essayer de le placer comme ça au-dessus, le jaune tombera. Alors, du rouge, il y en a là, du rouge. Hop, dans l'autre sens. Ah, il me redonne... On va le placer en dessous. Voilà. Du rouge toujours. On va essayer de l'éliminer. Hop. Voilà, ça c'est bon. On peut éliminer le bleu là. Hop, c'est bon aussi. Ça va devenir compliqué cette histoire. Ouais, puis s'il joue comme ça, ça va pas le faire. Hop. Alors ici. Peut-être le poser dans ce sens là, voilà, pour éliminer au moins. Il me donne pas de rouge par contre. Si, ça y est, c'est parti. Alors, on va poser le rouge. Par en dessous. Ok. Là, c'est pareil. Il y a du rouge. Faut que je fasse gaffe. Lui, je peux le poser. Non, je l'ai loupé. C'est rien, tant pis. On a rattrapé là, c'est bon. Donc, du rouge là, il faut que je le pose impérativement sur l'autre. C'est bon. Voilà. Alors, pareil. On va essayer de le poser. Ouais, ici en dessous. Un deuxième qu'on va poser juste au-dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Ah zut, j'avais pas fait. Ouais, bon, bah tant pis. Non, j'avais pas prévu qu'il tombe. Ça va être chaud ça, parce que je pourrais jamais le poser. Hein. Ah non, il est trop... Ça vaudrait peut-être le coup de le mettre au-dessus, puis on va l'éliminer. Enfin, éliminer le bleu. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on pourra poser du rouge directement dessus, ce qui est pas si mal. Et puis, on va éliminer ça sur le côté, voilà. Hop, là, c'est bon. On peut commencer à entasser. Parce que de toute façon, il est trop haut, on n'arrivera jamais à mettre. Allez, on met ça là. Évidemment... Le sens de la contrariété, hein, ce jeu. Hop, ici, je le retourne. Là, faut que je le pose sur le côté. Ouais, c'est bon. Alors ensuite, hop, on peut faire pas mal de petits trucs. Puis je peux le poser au-dessus de l'autre. Bon, pour l'instant ça va, mais on est parti de toute façon, il n'y a pas... C'est pas glorieux, c'est bon, on a réussi. C'est pas glorieux, on est parti vraiment de très très bas, donc le temps de s'acclimater. Bon après c'est une vidéo de présentation de jeu, hein. je fais pas du... C'est pas du hardcore gaming ou je sais pas quoi, donc... Et hop, eux ils sont éliminés. Lui, il est éliminé. Ça tombe à côté normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du bleu. On va éliminer le bleu. Hop. Hop. Ouais, ça on peut le mettre là. On va le mettre à côté. Parce que je pense que de toute façon... Ça on élimine. Ici, du jaune. Du jaune, du jaune. Ouais, on va le mettre là. Comme ça, quand le jaune va tomber, il va tomber sur un jaune. Hop, le rouge. On peut le mettre là, le bleu on peut éliminer, ouais, alors ici il y a un bleu, le bleu il est en dessous, faudrait le glisser entre le jaune et le bleu,
Hop là. Oh zut, trop loin. Trop loin. C'est bête. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Là, le rouge, on peut le mettre comme... Oh, quoique... Attendez. Oh là là. Ça va être difficile. Je me complique la vie, en fait. Hop, ça, c'est bon. Ah, ici, du bleu. Ouais, il est juste en dessous du jaune. Ça va pas le faire. Bon, on va éliminer déjà la rangée de bleu. Hop, voilà. Jaune. On va poser en dessous. Voilà, ici. Il m'en faut encore un, c'est super. Il faut le retourner et on le positionne juste pareil que l'autre. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Ah, un autre jaune. On va le mettre là, comme ça on va éliminer les bleus. Parce que je sens que les bleus vont m'embêter. Alors, rouge, rouge, on peut... Hop. Oh non, zut. Oh non, j'ai fait n'importe quoi, là. J'aurais pu éliminer l'autre rouge. Bon, tant pis. On va utiliser celui-là. C'est pas loupé. Ici. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Je peux le mettre là. Au cas où j'arrive à éliminer le jaune, je pourrais glisser un bleu. Oh, c'est pas vrai, je l'ai mis à côté. Un après. Oh, pas doué. Tant pis. Ah, je vais peut-être pouvoir éliminer un jaune, là. Hop, c'est fait. Ici, on va éliminer aussi. Hop. Là, ouais, ça va devenir compliqué. Oh zut, j'ai pas réfléchi. Yaï. Ouais, bon, de toute façon, c'est mal barré. Hop. Alors, ici, si je le mets... Ah, oh, je peux le mettre comme ça, en bas. Voilà, c'est ça. Il va tomber dessus, il élimine. Ok, c'est bon. Et là, j'élimine le bleu, normalement. Enfin, si je me trompe pas d'une ligne. Ok, c'est bon. Voilà, on a éliminé tous les méchants petits virus. On continue. Bah, tout compte fait, ça a l'air d'aller. Mais bon, c'est du simple, hein. C'est vraiment... Là, c'est lent. C'est marrant, on dirait que les microbes font déjà la tête. Hop. Le rouge, il a pris. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a même les petites animations des microbes qui... Oula. Oh non, là j'ai fait n'importe quoi. Pour changer. Hop. Ensuite, jaune et rouge, c'est ici. Dans l'autre sens. Hop. Deux jaunes, c'est le moment d'en éliminer. Hop, ici. Celui-là, je peux le mettre dans l'autre sens. Non, non, c'est bon, dans ce sens-là, il est bon. Faut que je le pose, il tombe, c'est bon. Alors, ici, j'en élimine un, ça tombe en bas, ça en élimine un deuxième. Tout ça est calculé, hein. Hop, voilà. Ici, je peux en éliminer un, ou alors je peux le mettre là, ici. C'est peut-être plus simple. Là, je peux peut-être éliminer mon bleu. Ça va tomber en bas. Ok. Le rouge et le bleu. Rouge, bleu, en bas, tout en bas. Si j'arrive à le glisser, hop, c'est bon. Jaune, bleu. Bah, tant pis, on va le mettre comme ça parce que je vois pas trop comment le mettre d'autre. Je vais le mettre ici, ça va tomber sur le jaune après. Ok, plus qu'un. Normalement, ça devrait éliminer le jaune. Ok. Là, ici. Hop, puis ça devrait tomber. Oula. Ok. Alors, attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce que je peux le tourner? Oh, j'aurais dû le tourner dans l'autre sens. J'ai pas le temps. Et là, est-ce que j'aurai le temps de le tourner? Tac. Ouais, c'est bon. Oh, il est beau celui-là. Ensuite, on met ça. Alors, hop, on met ça. Ici, là, là.
Ok. Hop. Rouge. Là, on va remettre. Et on élimine le petit rouge. Voilà, c'est bon. Hop. On n'aura plus qu'à glisser de l'autre côté si jamais on a besoin. Alors ici, je peux peut-être le mettre là pour éliminer parce qu'il faudrait que j'atteigne le bleu. Ah, c'est bon. Je vais peut-être. Ah non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Yaaaaaar. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah bah non, c'était bon là. Hop. Alors rouge, on va essayer d'éliminer. Et rattraper la bêtise. Alors ici. Tac. Comment je peux faire? On va mettre comme ça. On va essayer d'éliminer. Je pense que c'est bon là. Ouais, c'est bon. Voilà, ça tombe. Il n'y a plus qu'à un mètre. Hop, voilà, on l'a éliminé. Il en reste 4. Celui-là, on peut l'éliminer. Et là, non, c'est pas ça qu'il faut. Enfin, du moins, c'est pas ça qu'il faut à moi. Hop, je mets un rouge là quand même, ça en fait 2. Ensuite, ici, il me faudra un. Voilà, ça va être une catastrophe ce truc encore. Attendez, parce que là, je suis en train de paniquer et faire n'importe quoi. C'était pas dans ce sens-là qu'il fallait mettre. Wouah, je suis en train de chauffer là. Hop, ici. On récupère. Sauf qu'en fin de compte, c'est pas bon. Là, c'est bon. Si on peut éliminer sur le côté. Est-ce qu'on peut encore éliminer? Là. Voilà. Oh, le jaune, j'en ai pas besoin, quoi. Mais oh là là, ça va être une catastrophe. Ah non. Je sais même plus quoi en faire. Rouge, rouge, rouge. Vers le bas. Non, là ici peut-être. Ah, je me suis planté. Bon, ça y est, ça va commencer à devenir la catastrophe. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. C'est chaud. En fait, je vais faire du remplissage, hein, parce que, hein, de toute façon, on est parti pour faire n'importe quoi. Je vais me mettre au-dessus de l'autre. Avec un peu de chance, sur un malentendu. Oh là 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 là, catastrophe. Ok, bon. On va essayer de rattraper ça. Hop. Que là tout va bien. Hop, ici pareil, on pose. Le jaune va falloir que je le fracasse. Hop. Ok, ça c'est fait. On va mettre ça comme ça, tant pis, on va mettre ça dans l'autre sens. Non, évidemment. C'était trop simple. Hop. Alors, ici. Pas trop le choix, on va le mettre là. Ouais. Ensuite, là, ici. On va mettre ça là. Oh non, je l'ai encore planté. Ok. Hop. On va essayer de récupérer ça, la bourde. Non. Évidemment, je peux faire pire. Hop, ça descend. Hop. Ça vient là. Dans l'autre sens. Ici, c'est bon. Il y a peut-être moyen qu'à un moment, on récupère les bêtises. Hop. Hop.
fait. Non. Aussi. Ça va devenir compliqué si je ne peux pas casser les choses au fur et à mesure. Ici, on peut peut-être éliminer cette ligne-là au fur et à mesure. Ici, ça, on va mettre au central. Alors, hop. Ouais, ça peut tomber par là. Ça, c'est bon. C'est bon. Bon, est-ce qu'on va réussir à rattraper un peu le truc? Ok. Hop. Puzzle game, ça prend quand même pas mal d'attention. Je suis désolé, mais pour parler en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que réfléchir et parler en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hop. Alors attendez. C'est chaud cacahuète hein, quand même. Allez. Vas-y, c'est bon, tu descends. Ok, et l'autre. Alors, au bout d'un moment, on devrait se retrouver qu'avec du bleu quand même sur le truc. C'est bien énervant quand même. Hop. Ouais. Sans le jeune, on n'a pas trop le choix, vaut mieux le cantonner à un côté. Ok. Ça, on peut. Je suis trop pressé en fait. Non, je crois que c'est foutu. Hein. Au fur et à mesure, on va. Ouais. On va se retrouver bloqué. Ok. Ensuite. Il y a beaucoup de rouge là. Il faudrait que j'arrive à éliminer. Le problème c'est que je surajoute des couches. Hop, c'est bon. Non, même pas. Allez, on enlève là. Ouais, je crois que c'est la fin. Je crois qu'on va pas aller beaucoup plus loin. Donc, comme vous voyez, des petits jeux qui ressemblent à rien, mais dont les mécaniques sont très simples. Mais ça a toujours été la force un peu de Nintendo, ça, de trouver des mécaniques très simples, mais qui pouvaient... Ah bah voilà, ouais. Tout ça a été évidemment calculé. Hein. Tu parles. Mais bon, enfin des fois, il faut compter aussi sur la chance pour réussir dans un jeu. Ouais. Mais des mecs, comme je disais, des mécaniques assez simples, et pour ça, Yamamoto et Yokoi étaient souvent... Enfin, en avant, en première ligne en fait, pour trouver ces mécanismes assez simples mais efficaces en fait de jeu, et notamment là dans ce cas présent de puzzle game. Donc voilà, bon là le but va être de tuer les microbes assez rapidement, ceux qui sont vers le haut du moins. Donc c'est pour ça que si j'ai deux gélules, j'essaye d'en profiter pour les mettre sur le haut, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'une gélule pour dire de tout casser. Sachant que les gélules un peu plus élaborées, je les mets vers le bas. Parce que si elles s'agglutinent comme ça, il y aura moins de problèmes. Hop, celui-là. Voilà, ça descend, ça tombe sur l'autre rouge. Bon, je pense qu'on va pouvoir aussi se charger de celui-là. C'est bon.
C'est bon. Bleu et jaune, bleu et jaune. Dans l'autre sens. Non, mais dans ce sens-là, c'est bon. Ensuite, lui, on peut peut-être le glisser en dessous. Et le mettre au-dessus de l'autre, là. Voilà, ici. Alors, ici. Hop, on va commencer à éliminer. Hop. Voilà. On a un petit bleu, là, sur le côté. Le mettre là, jaune et bleu. Celui-là, on peut peut-être éliminer celui-là jaune si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Ah zut, un bleu qui est tombé sur un rouge, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors ici, voilà, c'est bon. On fait l'inverse, on y va. Là, c'est le jaune qui prend. Alors, ah zut, j'arriverai jamais à le mettre de l'autre côté. On va le mettre par ici. J'aurais préféré le glisser de l'autre côté, mais ce sera pas possible. Hop, c'est bon. Ici, on peut faire d'une pierre deux coups, voilà. Hop, ça, on va le mettre au-dessus de celui-là, pour essayer de libérer. Lui, on peut peut-être libérer, et on va éliminer les jeunes. Ok, on est bon. On est bon. Voilà. Alors... est-ce que je vais réussir à le placer là-bas ou... Ouais. Ah, celui-là, il aurait fallu que je le place au-dessus. On va le placer en dessous. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon. Ah, il me donne toutes les gélules en même temps, alors que... Ah. C'est n'importe quoi. Alors... je... Bleu, il tombera. Ici, on peut éliminer. Ça fait tomber sur le jaune. Là, on peut peut-être intercaler en dessous. Ouais, on va le mettre en dessous dans ce sens-là. Voilà. Là, on peut éliminer cette bande-là. C'est bon. De ce fait-là, lui, autant le mettre par ici. Si celui-là, je le mets au-dessus, c'est bon, ça calme tout. Ah, j'aurais pu le mettre sur le jaune aussi. Oh, j'ai pas pensé. Tant pis. Hop, voilà. Alors lui, faudrait le caser en dessous. On va essayer de le mettre en dessous, là. Oh non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Oh, c'est rien. Ça élimine quand même. Attention. Alors lui, je peux le mettre où? Ça devient chaud quand même. Hop. Ah, là, je peux peut-être... On va le placer dans ce sens-là. Voilà, on en a éliminé encore un, il reste plus que des rouges. Bon, les jaunes, faut que j'élimine sur le côté. Hop. Le bleu, faudrait que je l'élimine aussi. Hop, on va mettre comme ça. Alors, si je mets que dans ce sens-là, le jaune tombe sur l'autre. Ouais, c'est bon. Alors, ici, maintenant, faut que j'arrive à mettre... Ouais, faut... Hop. Là, on va décaler. Ça sert à rien. Faut laisser sur la même ligne. Voilà. Ici. Comment je peux faire? On va faire ça. Bon, alors là, maintenant, c'est... Évidemment, il me donne du bleu et du jaune, alors que j'ai besoin de rouge. Hein. Ce serait dommage d'obtenir ce que je veux. Ça me faciliterait un peu trop le jeu. Alors, comment complexifier les choses? Oh la vache. Hop, alors lui je peux l'éliminer. Voilà. Là il faudrait que j'arrive à éliminer les bleus. En priorité je vais mettre ça là. Bon, alors du jaune et du bleu. Comme ça,
KO. Allez. Hop. On va réussir à poser. C'est bon. Faut que j'arrive à éliminer là le jaune. Hop. Ok. Allez. Ah, je vais peut-être pouvoir accéder au rouge là. Ou au bleu même. Ça serait cool ça. Ouais, c'est bon, si je fais pas de bêtises, j'empile les rouges. Oula, j'ai intérêt à faire gaffe, je vais trop vite. Lui je peux le mettre sur le côté pour éviter la catastrophe. Et là voilà, normalement j'ai gagné là. C'est bon, on les a eus. Bah, comme quoi des fois, faut pas désespérer. Mais à mon avis, on va pas aller beaucoup plus loin. Level 4, level 5. Oula, oui, d'accord. Ça va être beau. Ça va être un beau carnage surtout. Hop. Alors ici, on va poser dans ce sens-là ici. Hop. Allez, on déblaye. Hop. On est mal. On est très 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 mal. Hop. C'est bon, on a réussi à en faire deux. Bon, là il va falloir voir comment on peut gérer la situation. On l'a très mal géré, évidemment. On va mettre ça au-dessus et on va remettre ça au-dessus. On va essayer d'éliminer le rouge là sur le côté. Faut y aller par objectif en fait. Hop. Hop. Ici on peut peut-être en glisser un. Ici on peut peut-être en glisser un deuxième. Oh c'est beau ça. Hop. Ici, là, comme ça. Ouais, sauf que ça met un rouge sur... c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Hop. Ici on veut faire disparaître avant que ça soit une catastrophe. Là on va le mettre au-dessus du rouge pour essayer d'éliminer le rouge. Tant qu'on y est, on va éliminer, on va rattraper la bêtise. Alors du jaune, on peut le mettre là. Alors ici, évidemment, encore du jaune, mais j'en ai pas besoin. On va les mettre là-bas, en dessous. Hop, voilà. J'élimine ici, ça fait tomber. Ça, on peut le mettre ici sur le côté. Ouais. Ensuite... du bleu, du jaune. Alors rouge, on va le poser comme ça. Le bleu, on peut l'éliminer, ça fait tomber le jaune sur l'autre. Le rouge, on va le mettre ici. Comment dire, je sens que ça va devenir compliqué pour moi. Ça c'est bon, j'en ai encore éliminé un. On va éliminer, hop, celui-là. Voilà. Ensuite, on peut poser ici, ça fait tomber le reste. Lui, je sais pas comment je vais le gérer. On va le mettre ici. Oh. Je me suis loupé. Ici, encore un bleu et je pourrais éliminer aussi celui-là. Celui-là, il a l'air d'être bien. Ok, on continue. On avance, je l'ai placé en dessous. Hop. Voilà, on fait disparaître, c'est bon. Voilà, c'est bon aussi. Ça, je peux mettre ici. Ça m'en fait un de moins. Hop. Ok. Bon, ça va, bon an, mal an, on se débrouille quand même. Ça, on peut éliminer ici, mais ça va faire tomber le rouge, bon tant pis. Celui-là, on peut peut-être le mettre. Tant pis. Oh. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi là. Faut que je me reprenne. Je suis en train de céder à la panique. On va le mettre au-dessus de l'autre. Hop.
celui-là, on va le glisser aussi, c'est bon. Normalement, le rouge... Hop, la petite bille bleue va tomber. Alors ici, on va éliminer le central. Hop. C'est dans l'autre sens peut-être que j'aurais dû mettre. Bon, on va voir. Ensuite, ça, on peut le mettre ici. On va faire pareil. Et lui, il faut le tourner, non? Ouais, il faut le tourner. Oh, c'est... Ouf. Je me mets des frayeurs, là. Ok. Ah non, je me suis planté, il y avait un décalage. Bon, bah là, c'est la Bérésina. Non, trop loin. Ouais, bah, je pense qu'on est vers la fin, là. Hein. C'est de la folie, ouais. Okay. Ensuite, voilà, faut que je fasse une ligne. Hop, ici, on retourne, on pose là, ici au-dessus et deuxième. Et les jeunes vont tomber, ça enlèvera, ça peut peut-être me sauver un peu la vie. Je gagne un peu de temps, mais à mon avis, c'est mal barré. Allez, 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 allez. Hop. On va le mettre dans ce sens-là, on va essayer de faire une ligne. Voilà. Alors ici du rouge, on peut l'aligner. Ça en fait un de moins. Donc on va essayer de le passer là. Non. Ah. Voilà, là c'est bon. Le place en dessous. Ah non. Oh, quoique. Il y avait le bleu en dessous, donc ça passe quand même. Mais in extremis. Hop. Alors, du rouge. Ici, sur le côté, peut-être. Je peux l'éliminer. Hop, ça tombera. Quand ça tombera. Là j'élimine les jaunes, le bleu il tombe, il élimine le microbe. Ça c'était vu. Ici. C'est pas bon. Je fais une nappe. Hop. Ici, ça tombe. Bon, ça devient ardu quand même, hein. Je me suis mal pris dès le début, donc ça va pas en s'arrangeant. Ah non, je suis bloqué. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. Dans ce sens-là. Ici. Hop. Et là. Hop, voilà, en même temps, on remplit les lignes. Ah, oh, c'est chaud. Hop. On va y arriver, hein. Ça fait pas les diagonales en tout cas. Donc 4 en vertical ou 4 en horizontal, mais pas en diagonale. Ouais, je crois que là on est sur la fin là. Ça va pas aller beaucoup plus loin, je pense. Je vois pas trop comment. Qu'à un moment j'ai un éclair de chenille ou un gros éclair de chance, mais ça me paraît un peu corrompu quand même tout ça. Ah non, j'aurais pas accès aux microbes.
un moment j'y ai cru, mais non. C'était trop simple. Là. Ici. On descend là. Hop. Ok. Sur le côté. Voilà. Hop. On casse par ici. On casse par là. Voilà. C'est bon, on a un accès aux microbes. Problème, c'est que ça va pas le faire si. Voilà. Alors, hop, encore un, c'est bon. C'est bon. Normalement, lui, je le tue. C'est bon. Oh, mine de rien. Alors après, il faut accéder aux autres. Et là, c'est autre chose. Ici, faut que je le fasse disparaître. Hop. Il me faudrait du rouge. S'il te plaît. Voilà, merci. Et waouh. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire. Ici on va faire disparaître. Hop, c'est fait. Ici. On va placer en dessous. Alors le jaune, hein, on peut peut-être le placer par ici. Ici. Ensuite, lui, on peut peut-être le placer ici. Ouais. Et ça, on le place par ici. Ça détruit tout. Oula. Hop. On a placé un bleu quand même. Là, on place un jaune. Essayer de détruire sur le côté. Je l'ai mal placé. Ok. Hop, ça fait disparaître ça. Ensuite ici. Hop. Oh là là, je l'ai mal placé. C'est dingue. Je suis en train de paniquer là, c'est bon, je pense que c'est la fin. Ça sert à rien. Dans ce jeu-là, à partir du moment où vous paniquez, c'est même plus la peine d'espérer quoi que ce soit. Hop. Hop. Allez. On va essayer de se reprendre, mais c'est pas gagné. Hop. Allez, on lâche pas l'affaire. Dans ce sens-là. Hop. Ça fait descendre les bleus. Alors du bleu, il y en a là. Hop, ensuite. Hop. Ça, c'est bon. Ici, on peut peut-être le mettre là. Non, on peut peut-être le mettre ici. Ça, on élimine les deux. Voilà. Hop, ça disparaît. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas eu le temps de le retourner. Ouais, bon ben là je crois que c'est Blette. Ok. Oh. Dès que j'arrive à régler un problème, je manquerai deux, donc c'est plutôt me le barrer. Hop, ok. Ah ouais, non, mais là c'est bon. Là c'est bon. Jamais j'arriverai à replacer. Non, mais c'est bon. Là c'est.
Tu peux dire au revoir, bonhomme. Voilà. On fait qu'empiler. Hop. Celui-là, on va mettre là. C'est bon. Ouais, puis ça commence à aller rapidement, donc... plus trop... Non, c'est pas vrai. Je l'ai relevé sans vouloir. Ok, tant pis. Ah, je l'ai pas mis où il fallait. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Bon. Je pense que vous avez compris. On est sur la fin. Ah, je vais commencer à les empiler, en fait. Hop. Non. Parler en même temps que c'est chaud quoi. Hop hop hop. Oh, je mets ça où moi? Oh non, c'est bon. Non. Oh, et puis alors il me donne des trucs improbables aussi. Hop. Oh. Oh non, j'ai pas réussi à le. Bon allez, c'est la fin. C'est la fin, je mets sur le côté, mais franchement je réfléchis même plus. Non mais c'est bon. Là on peut dire au revoir. Au revoir. Voilà. Les virus auront eu notre peau. Donc voilà, 1990, Dr Mario, un puzzle game dans la veine de ce qu'on avait pu connaître avec le grand succès de Tetris et sur Mega Drive de Columns. Voilà. C'est des petits jeux très simples dans leur dynamique, mais qui peuvent vous donner des tas d'heures de jouabilité, avec évidemment un niveau qui est de plus en plus rapide et où il faut faire du score, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, Dr Mario, Yakamoto et Poirot, c'était ceux qui avaient créé aussi Donkey Kong. Donc voilà, sur là c'est la version Mini NES qui est sortie en 2016. Donc si ça vous intéresse, ne passez pas à côté, ça peut être très très amusant. En plus c'est le genre de jeu qu'on peut faire comme ça de temps à autre. Il n'y a pas de suite, c'est pas comme un RPG où il y a une histoire qu'il faut suivre. Là c'est vraiment des petits jeux que vous faites, vous jouez, vous avez un quart d'heure à tuer, vous pouvez le faire. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus, abonnez-vous si vous aimez cette chaîne, likez si vous avez aimé la vidéo, à plus !